Mec, on fait une vidéo aujourd'hui? Tu veux tourner quoi? Un tuerie t'achètes. Mais on a pas de thunes. Mais gros, vas-y, on fait quoi comme vidéo? On a jamais d'idée à chaque fois. Parce qu'on va faire une vidéo tuerie, tu payes, et comme les gros youtubeurs, mais personne va voir notre vidéo, personne va cliquer dessus, ça va être de la merde, 20 vues comme d'hab. On a zéro thune, frère. Ouais. Viens, on fait un truc de ouf. Tuerie? Tu sautes à élastique? Ouais, grave chaud. Non mais gros, je rigole, t'es sérieux ou quoi? Tu sautes à l'élastique, genre... Ouais, on saute à l'élastique, gros. Le concept est simple. Tu ris, tu sautes à l'élastique, c'est tout, y'a pas d'autre solution, l'intro va pas durer 10 ans. Je vous présente Seyar, vous le connaissez déjà tous, allez vous abonner à sa chaîne YouTube. Je présente Anthony Prio. Il va faire des nouveaux concepts, sa chaîne, allez voir ça. Ouais, bref. J'espère... Tu ris, tu sautes à l'élastique. Eh, les jeunes marocains. À partir de maintenant, on va mettre l'eau dans la bouche. Donc pour vous, aucun divertissement, à part regarder une vidéo TikTok. Le premier qui sort un petit jet d'eau, comme un petit jet ski, de sa bouche. Oh my god, ça va être trop dur. Je sens qu'il va rigoler. Les gars, le problème avec ces gars, c'est que si on se regarde dans les yeux, c'est fini. Oh putain. En plus, je leur dis, j'ai mis mes binocles, donc t'es mort, en gros. Femme à lunettes, femme à kikette. 3, 2, 1. La tienne. Ouais, je... Bah, je suis prête, on peut y aller. Eh bah écoute, super, on y va. Mais Luna, tes bretelles, elles sont trop longues, elles servent à rien, faut les couper. Papounet, tes jambes, elles servent à rien, mais on n'est pas obligé de les couper. Damien, c'est l'heure de la douche. Les câbles ils sont dans l'eau. En fait le problème c'est que on a mis un seau pour cracher dedans quand on veut cracher parce qu'on veut rigoler. Mais le problème c'est qu'il y a tellement un enjeu de ouf. Moi je vais pas me dire bon allez j'arrive plus je crache. Si je crache parce que ça, tu résistes mais ça sort tout seul, tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as craché l'eau parce que tu voulais rigoler? Je voulais réagir. On est honnête entre nous. Ouais. Mec là y'a un enjeu de ouf, donc t'as pas le droit de me trahir. Vas-y, tu sais quoi, pour cette fois on met un point. Allez vas-y, c'était la chauffe. T'es trop dur. 2, 1. Les gars, il va sauter à l'élastique. Si t'es fier d'être une chèvre, fais bêh. Ouais, ouais. Marco, j'ai même une blague à t'raconter. Elle est pliante, hein. Franchement, Apollo, avec tes blagues, tu me fais flair. En tout cas, il y a 3-1, moi j'ai un peu d'avance, donc là je vais me décontracter les fesses. Putain, c'est incroyable, je savais pas qu'il y avait des dauphins en Corse. Regardez. C'est moi qui ai compté. Maintenant, tu peux pas aller, après tu peux pas. Voilà, ça se fait pas. Le mec crache la gueule. Mais à partir de maintenant, le premier qui crache, même si c'est l'autre après qui rigole, tant pis. C'est le premier qui crache qui perd, ok? Mais j'ai acheté pour toi. C'est dégueulasse, t'as qu'à le manger. Mais je... Mange pas ça, c'est dégueulasse. Mange ça, c'est dégueulasse. Mais... C'est dégueulasse. Oh là, tu vas où là? Moi, je suis pas foutu dans la voiture là. Ah, t'es fou, j'avais vu ça de ma vie. Mec, t'arrives quoi, gros? En fait, je voulais te faire rire et j'ai pas réussi. Je sais, mais gros, j'ai résisté si fort, je suis trop fort, gros. En fait, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il se retenait tellement de rigoler que ça commençait à couler de sa bouche. Ça se voyait? Salut les jeunes, Philippe, 45 ans d'expérience, voilà aujourd'hui si vous avez signé pour ce cours. C'est pour une initiation VTT. Bon, ici je vous apprends les fondamentaux du VTT, le vélo tout terrain. Première étape, ne pas faire ça. Voilà, ça c'est la chose à ne pas faire. Évidemment je le fais parce que c'est mon matériel, mais à ne pas reproduire. Voilà, si vous voulez, on vous prête les vélos, on est déjà sympa, donc vous faites pas ça. Bon, deuxième chose, très très importante, juste ici, la bouteille d'eau pour s'hydrater, comme ça. Hop, considérate, qu'on n'hésite pas, c'est très important. Oh, on va revenir sur les fondamentaux de quoi, du vélo. C'est ce que vous avez appris tout
Ce bâtard, il s'est touché les points sensibles, cet enculé. Elle a vivé trop bien l'enculé de pauvre de merde. Écoute, c'est quoi, moi que t'as craché à côté, sinon ça aurait été dans la poire. Je peux pas. C'est quoi ici? Ah, dégueu. Bon, du coup, ça fait 5 fois que je rigole. Et lui, finalement, c'est pas 7, c'est 6. J'avais mal compté, malheureusement. Donc là, en fait, je suis. Là, c'est très serré, là, les gars. On a dit qu'à 10, on a arrêté. Alors là, mon copain, là, je peux te dire, on est dans un champ de ronces, carrément. Oh, vas-y, 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 recule. Vas-y, 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 hop, hop, stop. Putain, broutille, moi. Les gars, là, c'est grave, je vais lui dire un truc, mais en fait, il s'en bat les couilles parce que j'ai l'impression que c'est élastique. Pour l'instant, il se dit ouais. Mais gros, les gars, moi, j'ai conscience de j'arrive à me projeter dans le futur. Si jamais il perd, les gars, j'ai tellement envie. Là, mec, je t'explique. Encore 3 fois, tu rigoles, tu sautes à l'élastique, mon ref. Putain, quel bâtard. Bonjour à toutes et tous. Depuis le début de l'été, nous entendons beaucoup parler de la quatrième vague et de la seule arme que nous avons face à elle, le vaccin. Pourquoi? Parce que ce gros bâtard, on dirait un robot quand il parle au téléphone. T'as vu, il attend la vidéo et se lance. Ah non. En fait, c'est vraiment sa gueule, tout le regard, frère, regarde. Mais genre, c'est notre président, quoi, gros, il représente la France, c'est ça qui me tue, gros. Devinez quelle est la probabilité qu'une botte de foin arrive dans une piscine. Alors attends, on va mettre deux choses au clair tout de suite. Premièrement, une botte de foin. Deuxièmement, tu m'as craché. Mec, je suis désolé. En fait, je voulais te faire rire, j'ai fait une grimace. Ouah, les gars, il est à 8. Plus que deux fois tu rigoles, gros. Ah, Billy, Mark and Flash. T'es de manière que si tu gagnes, je suis content à 500 000%. Ah ouais. Je serai rassuré, je vais bien dormir cette nuit, tu vois. Quoi? Moi, je vais bien dormir cette nuit. Mais toi, tu vas pas bien dormir. Je vais ce soir, si t'as perdu, je vais t'envoyer plein de vidéos, plein de trucs. Je vais t'envoyer reportage. Hein. Un mec est mort. Wesh. Pourquoi il y avait un cochon? Pourquoi quoi? Il y avait quelqu'un qui avait une rire de cochon. Ah, j'avais pas entendu, putain. Mec, attends, t'es sérieux, t'as rigolé sur ça? Non mais là, frérot, là c'est trop, frérot. Frère, t'as 9. Encore, gars, il est vraiment pas bien. Là, encore une fois, tu rigoles, gros, c'est terminé, gros, tu vas sauter. Arrête. Ah oui. Un bougre là, en face de moi, là. Il est bizarre, regarde. Ah, fils de pute. Tu as 7, t'as 9, frère. 7, 8, 9, 10, je dois rigoler encore 3 fois, toi. Une fois, frère. Et ça y est, j'ai fait le vaccin. Tout s'est bien passé, il n'y a aucun effet secondaire. Je vois pas ce qu'il raconte dans les journaux. Pardon, Snap. Je t'ai dit que j'avais un Discord. Mais c'est quoi ça? Tu casses pas les couilles et tu vas chercher sur internet. Yes, il me rattrape. Wesh les gars, là encore 2 pour moi et enfin, yes. Là les gars, là vous êtes en train actuellement de regarder la finale. Là dans même pas 5 minutes pour vous, vous allez voir la personne qui va sauter. Un extrait tout de suite. Voilà, c'est qui? Je sais pas. Ah mais non, mais tout le monde est Pardon.
mais toi t'es cardiaque, hein. T'es pire qu'à la pierre, elle bout devant et tu craques. Il a perdu le élastique. Pourquoi t'as rigolé? C'est toi. C'est même pas le TikTok qui m'a fait rire. Franchement, j'ai pas les mots parce que moi je serais à sa place là. Je vais sauter dans le vide. Les gars, mais gros, tu te rends pas compte. Je vais sauter dans le vide. Tu sais qu'on était allé au trampoline park pour le cache-cache. Ouais. J'osais pas sauter du truc d'en haut, j'ai le snap encore. Bon bah écoutez, tout ce que j'ai à vous dire, c'est on se retrouve dans, pour vous, 2 secondes, et pour nous, bah le temps de chercher... Je repense juste au moment où je vais montrer à mes parents, regardez, j'ai sauté dans le vide, ils vont être en mode, mais t'es un grand malade. Je sais même pas, je suis coiffé comment. C'est pas grave, t'inquiète, ça va décoiffer. Oh. T'en penses quoi pour l'instant? Est-ce que t'as peur, serein? En fait, là... Wesh, non, en fait, non, je la joue à la hauteur d'ici, non. Non, parce que là, les gars, on monte, je suis essoufflé tellement que c'est haut, il me dit... Ouais, oh, en vrai, je m'attendais à plus haut. Ouais. Oh là là. Je dois faire un truc de ouf. Regarde le sol, regarde le sol, regarde le sol. Wesh. Wesh. Ça va, gros? Non, ça va pas. Je suis stressé à mort. Ah ouais? Heureusement, il y a le chien. Donc, on regarde droite devant soi, on avance. Moi, je réfléchis et mieux c'est. Voilà, en fait c'est pas moi qui réfléchis, c'est que tu vois que ça monte par terre et t'as pas besoin de réfléchir. T'as plus le choix là. Allez. Désolé mais c'est un choix d'animaux. Oh sa mère. On avance directement au bas. Regarde bien vers l'horizon. Oh sa mère. Regarde toi en bas. Oh sa mère. Regarde à l'horizon. Oh sa mère. On avance. Oh sa mère. Je te tiens. Oh sa mère. On avance, on avance, on avance. On avance encore, on n'est pas prêt. On avance. On avance. Ok. Là on est prêt, tu regardes droit devant toi, tes deux bras devant, super, et à 3 on est parti, allez, A 1, 2, 3, oh, oh, oh. A 1, 2, 3, oh, oh. Ça, ta mère, la pute. Oh, 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 ça... Oh, 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 ça va... Ah, putain. Ah, ça va très bien, j'ai des larmes. C'était long. Je crois que j'ai des larmes. Ah oh, putain. Ah désolé, vous avez reçu un coup de boule. Dernier mot pour la fin. Ah oh, j'ai peur, mais c'est bon, ça va, c'est passé. Mec, t'as vraiment chialé, on verra. Par contre, je te précise tout de suite, je fais pas de câlin. Ah désolé. Je réconforte pas. Il est sous le choc, il est vraiment pas bien, mais je suis mort. Et bah si tu veux lui offrir un sol élastique, le prochain sera moins 50%. Merde, ça, dommage. C'est... Et merde. On fait même les tandems. Voilà. Merci pour l'offre. Ah, t'es rassuré que c'est CR qui a sauté? Bah non, ça fait peur quand même. Regardez sa main comme elle est trop méchante. J'ai sauté. Bon bah bravo mec, franchement félicitations, j'aurais pas eu les couilles de le faire. Plus jamais je rigole à une vidéo TikTok, la vérité. Tiens, t'as moins 50% frère. Oh, merci, c'est incroyable. Je suis jaloux, mais là je suis jaloux en bas, mais quand je suis en haut je suis plus jaloux. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne de Seyar, abonnez-vous à ma chaîne. A bientôt, prenez soin de vous, ciao. Je suis mort.